Dans les déserts d'Arabie, une insurrection faisait rage bien avant que j'arrive en France. Des tribus de bédouins s'étaient unies pour mener une guerre très différente de celle des tranchées. Par petites unités mobiles, ces gens défièrent la puissance d'un empire, unis par les idées d'un seul guerrier charismatique. Des idées de liberté et de changement. Désert d'Arabie. Un vaste océan de dunes mouvantes et de rochers brûlants. Sous ces étendues de sable, du pétrole. L'or noir, le sang de ce siècle mécanique. Depuis plus de 4 siècles, les Ottomans règnent sur ces terres, contrôlant tout ce qu'elles recèlent. Mais certains s'opposent aux Ottomans. De petites bandes de rebelles bédouins se sont unies pour renverser l'Empire. Ces hommes frappent par surprise, puis s'évanouissent dans le désert. À leur côté, un officier britannique dont les exploits lui ont valu un grand renom. Le monde entier le connaît comme Lawrence d'Arabie. Dans le désert, il faut prévoir avec soin, mais compter aussi sur la chance. Elle était à nos côtés lorsque nous avons appris qu'un train ottoman, qui avait récemment déraillé, transportait une cargaison très intéressante. Une petite patrouille avait rejoint les Ottomans qui avaient survécu au déraillement. Ensemble, ils gardaient l'épave en attendant des renforts. Combattant seul ne possède qu'un avantage sur un ennemi nombreux. Il peut se déplacer sans être vu. Si elles sont puissantes et efficaces, les armes à feu attirent souvent l'attention, ce qui suppose de s'attendre à une riposte ottomane. Lorsque l'ennemi possède de meilleurs équipements et de meilleures armes, il faut les lui voler. Huh?
voir quelque chose et l'avoir en main sont deux choses très différentes. Bir boklu çıkıyor ya. Değil mi? Ne gelsen onu içersin. Aşağıda birileri var! Gebertin onu! Petite patrouille avait rejoint les Ottomans qui avaient survécu au déraillement. Ensemble, ils gardaient l'épave en attendant des renforts. Un combattant seul ne possède qu'un avantage sur un ennemi nombreux. Il peut se déplacer sans être vu. Combattant seul ne possède qu'un avantage sur un ennemi nombreux. Il peut se déplacer sans être vu. Les tribus combattaient de manière peu conventionnelle, avec des armes qu'elles connaissaient bien. Leurs principaux atouts étaient l'endurance, l'intelligence individuelle et le courage. Petite patrouille avait rejoint les Ottomans qui avaient survécu au déraillement. Ensemble, ils gardaient l'épave en attendant des renforts.
Sortez, c'est fini. Ah. Tu ne t'attendais pas à ce que nous soyons aussi rapides pour te rattraper, n'est-ce pas, Laurence d'Arabie? Au contraire. J'espérais justement que vous le feriez. Hé, Laurence. Je manque pas de ressources. Le chasseur est devenu la proie, on dirait. Et toi, qui es-tu? Ah, mais tu es ravissante, ma petite. Ravissante? Ahmed,
Une femme qui serait libre sans des hommes comme toi. Libre, hein? Tu seras libre quand tu mourras. Et laisse-moi te dire une chose, l'Empire a l'intention de vous offrir à tous cette liberté. Très bientôt. En ce moment, une terrible machine de mort écume ce désert. Elle élimine vos alliés, vos familles, vos maisons et tous vos refuges. Bientôt, vous n'aurez nulle part où aller. Nulle part où vous cacher. Bientôt, tout votre monde, et tout ce que vous aimez, disparaîtra. Alors vous serez libre de mourir. Espèce de folle, Zara! Je sais bien que rien ne te rendrait plus heureuse que de lui arracher lentement la peau des pieds et de le laisser nu dans le désert, encourir une mort certaine. Mais avant, réfléchis. C'est vrai. Je suis désolé. Mon ami est parfois un peu brutal. Tu vas m'expliquer comment envoyer de faux ordres. Nous allons attirer ton train dans un piège et le détruire. Impossible. Pour établir une liaison avec ce train, il te faudrait un livre dans tous les codes de communication. Oh, un livre dans ce genre-là, peut-être. Vous ne pouvez pas arrêter le progrès des machines. Un jour, le reste du monde vous enlèvera vos terres et s'emparera du précieux or noir qui dort sous le sable. L'avenir nous le dira, mon ami. Bien entendu, obtenir ce livre de code ne suffisait pas. Pour détruire ce dragon de fer, ce canavar, comme l'appelaient les Ottomans, nous devions lui envoyer 3 messages chiffrés, lui ordonnant de baisser les armes. Il y avait des avant-postes ottomans le long des voies ferrées. Leur commandant avait des capsules de messages prioritaires. Nous en avions besoin pour envoyer nos ordres, sinon le train les refuserait. Le village ne serait pas facile à infiltrer, d'autant plus qu'un détachement de soldats ottomans y résidait. Les Ottomans ont établi un avant-poste dans le désert. Il n'est que peu défendu, mais renferme de nombreux véhicules et armes. Ils ne s'attendent clairement pas à une attaque. Ces équipements sont utiles si tu décides de t'en servir. Ces ruines antiques sont les derniers vestiges d'une civilisation disparue. L'Empire ottoman y a implanté le monde moderne sous la forme de véhicules blindés et de canons. Trois commandants à éliminer. 3 capsules personnelles à voler et à expédier avec nos ordres falsifiés. C'était à Zara de décider comment elle mènerait cette mission périlleuse et audacieuse. Les Bédouins adoraient leurs chevaux. Et en retour, ces animaux offraient à leurs cavaliers une vitesse et une mobilité sans pareil. Oh!
seul ordre ne suffirait pas. Les procédures ottomanes prévoyaient que le train n'obéirait qu'à un message envoyé en triple exemplaire.
nous devions nous reposer entièrement sur les capacités de Zara. Et j'étais certain qu'elle saurait se débrouiller. Le message a été envoyé, ma belle. Pas le message que tu espérais. Désolé de te le dire. Et alors, Anne, c'était si accueillant. Et j'avoue que j'ai un peu hésité à m'enfuir.
J'ai pris soin de noter l'emplacement du campement de Laurence, bien sûr. Ce qui veut dire que le train le connaît aussi. Deux fois, tu as annoncé au train que tout allait bien, mais... Je lui ai dit exactement où frapper. Le monstre est à vos trousses, ma belle. Et il va venir vous exterminer, toi et ta petite bande de rebelles. D'abord, la tempête de feu de l'artillerie. Et puis, autour des soldats vont passer à l'assaut pour achever les survivants. La légende de Laurence Darabée prend fin ce soir. Navarre ne cessera plus de nous traquer maintenant. Non, en effet. Laisse-moi réfléchir. Le train viendra d'assez loin. Il fera donc un arrêt pour se ravitailler en eau et c'est là qu'on devra intervenir. D'accord. Je m'occuperai des sentinelles et je poserai des explosifs sur les rails. Et moi, je rallierai nos hommes. Quand la voie aura sauté, le train sera coincé. Donc à l'instant où tu entendras l'explosion, tu devras déclencher l'assaut. D'accord. Mais garde à l'esprit que nos hommes ne viendront peut-être pas. Il est probable qu'après le déclenchement de l'explosion, tu te retrouves toute seule. Est-ce que t'en es consciente? Mais de toute façon, je ne le saurai qu'après l'explosion. Prépare des plans, et Dieu en rit. Naturellement, de nombreux Ottomans occupaient la petite ville où nous devions tendre une embuscade au train. Il faudrait s'occuper de ces troupes avant de pouvoir placer les explosifs. L'homme prépare des plans, et Dieu en rit. Naturellement, de nombreux Ottomans occupaient la petite ville où nous devions tendre une embuscade au train. Il faudrait s'occuper de ces troupes avant de pouvoir placer les explosifs. «
monde ou non. Habire bana düşün bak şuna bir. Her gece de olur. Nasıl lan? Il fallait s'occuper des soldats présents dans le village avant de pouvoir espérer détruire le train. Prépare des plans et Dieu en rit. Naturellement, de nombreux Ottomans occupaient la petite ville où nous devions tendre une embuscade au train. Il faudrait s'occuper de ces troupes avant de pouvoir placer les explosifs.
demedi deme. Bu yüzbaşı benim başımı yakacak. Ne yaptıysam artık. Bağırma, duyar. Kendine bir faydan olsun. Teslim olursun. Can falandır ya. Kes et birader. Kılına zarar gelmeyecek. Silahlarınız kolayda dursun. Korunak bir ilerleyin. Kaçmasına müsaade etmeyin. Des plans, et Dieu en rit. Naturellement, de nombreux Ottomans occupaient la petite ville où nous devions tendre une embuscade au train. Il faudrait s'occuper de ces troupes avant de pouvoir placer les explosifs. Kaygılanmak.
fallait s'occuper des soldats présents dans le village, avant de pouvoir espérer détruire le train. Il fallait s'occuper des soldats présents dans le village, avant de pouvoir espérer détruire le train. Tam iyi günüm. Şey etmedim.
İyiyim. Biraz istirahat etmem lazım o kadar. Hop. Tamam gidiyorum. S'occuper des soldats présents dans le village avant de pouvoir espérer détruire le train. Korunaklı ilerleyin. Kaçmasına müsaade etmeyin. Il fallait s'occuper des soldats présents dans le village avant de pouvoir espérer détruire le train.
Une fois la ville nettoyée par Zara, nous pourrions armer le piège pour le train qui approchait.
fois la ville nettoyée par Zara, nous pourrions armer le piège pour le train qui approchait.
peut être douce ou amère. Comment est-elle pour toi, Zara? Mais t'as raison, pensons à l'avenir. Voyons les choses en grand. Pourquoi pas le canal de Suez? Dis-moi, tu t'y connais un peu en bataille navale? Un jour, tout cela finira.